seconde journée de défilé extérieur qui se déroule ici sur la scène MAD avec le défilé SAS Création, une marque québécoise qui se veut très consciencieuse et qui porte une attention toute particulière à l'éthique et à l'écologie. On est SAS Création, on est une compagnie montréalaise qui on fait des vêtements, accessoires non conventionnels, puis un peu streetwear. Puis ce soir, notre performance, ça va être la transformation de vêtements seconde main. Puis, on vous montre notre processus de création en temps normal. Puis, on vous encourage à avoir une nouvelle perspective sur la façon que vous voyez le vêtement. SAS présente l'industrie de la mode d'une façon non conventionnelle, prônant l'acceptation de soi-même. Il s'agit d'une exploration textile ayant pour but de redonner vie à un vêtement mis au rebut. SAS Création prend une mode décontractée, regroupant multiples styles et ayant pour but de permettre aux consommateurs de pleinement accepter leurs différences et de les exposer fièrement. Streetwear. Puis le but de ce soir, c'est de transformer, d'amener une autre perspective aux vêtements. Donc tous les vêtements qu'on a pris, c'était des vêtements seconde main. Puis dans le fond, c'était le but d'apporter un vêtement quand même ordinaire, puis de le pimper up un peu, le sasser up, comme ouais. On dit, de le rendre un peu plus trendy. Fait que ça, c'était le but de notre présentation. Notre valeur à la base, c'est au niveau du recyclage, un peu la sustainability, c'est quoi, puis le slow fashion, dans le fond. Tu sais, de ramener un purpose aux vêtements, puis de donner comme une valeur. Puis en même temps, on sait tous qu'il y a beaucoup de gaspillage au niveau du vêtement, fait que nous, on essaie de comme prendre le vêtement qui est déjà là puis faire de quoi d'autre avec. Apporter une conscience, dans le fond, au monde de la mode. D'où est venue l'idée ou de qui est venue l'idée de faire un défilé comme ça où vous faites vos créations sur le moment live? Ben, c'est parce qu'en fait, au début, on était censé faire des raps live puis on trouvait ça que, ben, ça allait peut-être être plate pour le monde de regarder ça. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas, on fait juste. Puis en parlant avec les organisatrices qui étaient vraiment super, by the way. Tu sais, ils ont vraiment cliqué. Puis là, ensemble, on a comme monté le concept qu'on a là. En fait, nous, notre processus de création est très.
sais, c'est de la spontanéité. Ouais. Je sais pas si ça se dit bien, là, spontanéité, en tout cas. Ouais. Fait que dans le fond, nous, on est pas mal sur le flow, puis OK, ben on fait ça demain, puis nanana. Fait qu'on s'est dit, ben tu sais, on fait ça naturellement, bon, on va le faire ça sur stage. C'est intéressant de voir. On voulait amener quand même des vêtements finis pour montrer quand on prend le temps vraiment de le faire puis faire les coutures, tout ça, ça ressemble à quoi. Ouais. Fait que c'est un peu montrer le avant et après du processus.